Ah oui, c'est vrai, c'est à vous que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Vous avez rendez-vous à 15h, c'est ça? Ok, il est quelle heure? Vous êtes à l'avance, mais vous avez de la chance. Il y en a un qui a annulé son rendez-vous. Du coup, je peux vous prendre tout de suite. Ça vous arrange? Impeccable. Bah, allez-y, allez voir ma collègue, elle va vous mettre la blouse et asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. D'accord, ok. Ah, vous êtes un habitué. Ah, désolé, je ne suis qu'un stagiaire. Je vous ai jamais vu dans notre salon. Souhaitez-vous un shampoing? Ouais. Ok, pas de soucis. Attendez, hop. Installez-vous, mettez votre tête. Voilà, c'est bon. Et je vais vous demander de vous détendre. Et je vais vous masser un peu la tête. Avec mes doigts. Et vous allez voir, c'est un kiff total. Moi, je sais que quand je vais au coiffeur, j'aime bien me faire un shampoing, ça me détend, ça me relaxe. Faites comme moi. Et vous pouvez fermer les yeux également. Et vous me dites si c'est trop chaud ou pas. C'est bon comme ça, c'est pas assez chaud. Ah, c'est nickel.
j'ai les cheveux longs, un peu abîmés, je coupe les pointes. D'accord, ok. Je coupe ce qui est abîmé. Allez, c'est parti, mettez votre tête. Voilà. Alors, on va couper les pointes. Hop, hop, hop. Vous avez les cheveux vachement longs, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé au coiffeur? À 2 ans quand même. Ah ouais. C'est super bien réussi. Franchement, bravo.
ça avait été au président.
contenu, c'est ça? D'accord. Alors, quel genre de menu? D'accord, 3 maxi best-of. Big Mac. D'accord, ok. Ah, vous prenez tous les mêmes. Pas de problème. Alors, 3 Big Mac, frites Coca. Oui, d'accord. 3 frites et 3 Coca, d'accord. Ça sera tout. Ah, il y en a plus 1000. Pas de problème. Un seul. Oui, j'ai pas bien entendu. D'accord. Alors, 3 maxi best-of. Un Happy Meal, c'est bien ça. D'accord. Oui, désolé si je retire mal. C'est mon ordinateur, en ce moment, il déconne. Et j'ai commencé le travail pas plus tard qu'hier. Du coup, j'ai un peu du mal. Voilà. D'accord, ok. Ça fera un total de 21,50€ au prochain guichet. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. D'accord. Ça vous fera un total de 22,50€ au point.
prochain guichet. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. McDonald's, bonjour, je vous écoute. D'accord, très bien. Deux Happy Meal, là, oui. Alors, je vous mets quoi dans la Happy Meal? D'accord, très bien. Cheeseburger, d'accord. Frites Coca, d'accord, très bien. Et puis au garçon pour les jouets. Ça coupe la tête direct et one shot direct.
On est top combien là? Top 15, d'accord. Ah bah regarde, regarde, regarde là. Il y a 2 mecs là qui se baladent. Ils sautent comme des kangourous. Ce sont pas pioche au cas où. On va les attendre. Un buisson et on attend qu'il soit plus que un parce qu'il en a
que dans les buissons, tu peux voir où tu vises le dehors. Tu le vises comme ça. Et tu et te baisseras à nous.
Ouais, c'est toi là. Ça s'est bien passé. Ouais. T'étais ça à l'école. Ouais, t'as bien travaillé. C'est bien. Vas-y, prends la chaise, assieds-toi. Tiens, je t'ai sorti tes gâteaux. T'as faim? Ouais. Entrée.
du céleri. Ah, t'as pas aimé le céleri? Ah, c'est meilleur quand papa le fait. Ah, d'accord. Et t'as mangé. Enfin, en plat, t'as mangé quoi? Ouais. Tiens, mets-toi un peu en face de moi pour que je te voie mieux. Alors, en plat, t'as mangé quoi? Du poulet avec du riz. Un sauce tomate. Ah, t'as mis un sauce tomate, toi. Ouais. Et ça va avec tes copains. Aujourd'hui, ils ont joué avec toi. Ouais. Ouais, maman va rentrer dans quelle heure là? Ouais, il est presque 5 heures. Il est presque 17 heures. Ouais, elle va rentrer, je pense, dans 10-15 minutes à peu près. Ouais. Tu me donnes un gâteau pour que je finisse mon café. Oh, merci, t'es gentil, mon fils. Ouais, je l'avais déjà entamé parce que j'avais un peu faim. J'essaie de goûter, hein, papa, et... Écoute. Sur la route en voiture.
hamburger avec des frites. Ouais. Et toi, t'as mangé du poulet avec du riz. À la sauce tomate. C'est bien, bébé. Bon, bah, c'est bien. Si ta journée s'est bien passée. Ce matin, t'as pas eu trop du mal à te réveiller. Non. Ah, c'est maman qui t'a réveillé. Ouais, et quand il n'y a pas d'école, bah c'est toi qui réveille maman. Et maman t'a réveillé ce matin. Ça t'a fait tout drôle. Et bah oui. Tu t'es couché tard encore hier. Ouais, quand il y a l'école, faut se coucher vers 8h30. Ouais, moi, tu vas aller à la télé après. Après les devoirs. Aujourd'hui, t'as appris l'alphabet aussi. Tu la connais, l'alphabet? Tu vas me le répéter après? Ouais. Bon, bah, c'est bien. Ouais, ce soir, on mange... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, ce soir, je vais faire un poulet basquez. Maison. Ouais, t'aimes ça, le poulet basquez? Avec le poulet et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Bah regarde, là tu vas aller faire tes devoirs. Après tu vas regarder un peu Neo et Swan à la télé. Ou ce que tu veux. Twinner, t'aimes bien Twinner avec Minecraft, tout ça. Tu vas regarder ça et après on va manger. Là après je vais aller faire à manger après quand maman rentre. Bah là tu es en bas de la maison. On mange et après au chauffe. T'as tout compris. Mais t'as pas entendu. On a toqué à la porte. Elle a passé clé, maman. Ah bah non. Bah bah ils sont là, ces clés. Elle les a oubliées. Bah va lui ouvrir. Ouais, va lui ouvrir, vas-y. Son fils, faut pas faire de bruit. Chut.
sais pas, moi je vais commencer. Regarde, regarde, regarde ce que j'ai repéré. Une PS5. Ça peut le faire, ça, non? Tu crois quoi? Ah ouais, moi je. Ah ouais, moi je prends du lourd. Hein. Et toi, t'as pris quoi? Ah, t'es même pas masqué en plus. Mais un masque, mais un masque. Tu veux le mien? Non? Ok, t'as ta cagoule, vas-y, mets-la. T'as récupéré quoi, toi? Ah, fais voir. Avec 1008. Eh, GG, ça. Super. Tu pourras le revendre comme ça. Ou tu vas le garder, parce que moi, la PS5... J'en ai fait dans des maisons. Laisse tomber les PS5 que j'ai récupérées. J'ai pu récupérer au moins 3 PS5. Celle-là, c'est la quatrième. Ben, regarde, regarde. Elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Tu as jamais vu ça. Ouais, t'as vu quelle heure il est? 4h du matin. Ouais, moi, j'ai pas fini. J'ai pris la PS5 et après je vais faire un petit tour. Tiens, regarde, il possède une étagère. Plein de jeux vidéo. Vas-y, viens, on va jeter un coup de viens, viens. Ça peut faire l'affaire, tu crois? Ça peut faire l'affaire, ça, ouais. Il y a mon sac dans le couloir. Ouais, t'inquiète pas, les propriétaires, ils peuvent pas venir. Enfin, presque pas, tu me diras. Parce que, aux portes, j'ai mis des fils barbelés. Ouais. Et avec ça... C'est un four, mais je peux leur faire peur, leur faire croire. Attends, là où il y a des albums. Non, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gros trucs, tu vois, les gros, tout, le gros truc balèze. Après, il y a quoi d'autre? Attends.
C'est ma première mission, tu crois que je me débrouille bien? Et toi, ça fait combien de maisons que t'as fait déjà? Toi, j'en laisse ça. Ce sera mieux pour parler. T'as fait combien de maisons, toi? Ah, 5-6. Ah ouais, tu t'es pas fait choper. Ah, pas encore. Un jour, ça va venir. Même moi, ça va venir un jour. Putain, je suis trop content, j'ai récupéré ma PS5. Et deux jeux PS5. Attends, j'ai repéré quelque chose sur la table. Manette PS5, bah ouais. Comme ça, j'en ai deux. Toi, t'as récupéré que le téléphone, regarde ce que j'ai récupéré. Toi, t'as récupéré que le collector et ça. Bon, après ça, tu peux t'en tirer pour facile, je sais pas, 250 € le tout. Moi, t'as vu tout ce que j'ai? Moi, j'en ai pour facile. La PS5, la 800. Les enceintes 60. Les jeux 150. Ouais, je vais me faire de la thune. Après, il y a quoi d'autre comme jeu qui m'intéresse? De jamais de la masque au cas où qu'ils viennent. Après, je peux récupérer ça. Après, j'arrête là parce que là, ça fait trop étroit, c'est déjà monté. Et des fois, ça m'a pas entendu. Et quoi, quand tu attends, l'âge de jugement, ah ouais. Très bon, je suis là. J'ai trouvé ça dans un coin. Et tout neuf en plus. Mais c'est pas mal ça, non? Tu crois pas? Bon, allez, on arrête là. T'as fini, toi? Non, t'as pas fini. Il te reste quoi à faire? Les chiottes? Tu veux faire quoi dans les chiottes? Ah, tu vas te pisser? Bah, vas-y. Vas-y, je t'attends. Tiens, la chasse d'eau. Non. Tiens pas la chasse d'eau. On va nous attendre. Les folies. Ça y est, t'as fini. Viens. Oh là. Ouais, ma première maison, je tombe sur un jackpot. C'est le jackpot. Après, éventuellement, je pourrais prendre les télés et un écran d'ordi pour partager avec toi. Mais ça fait trop, je pense. Tu vas prendre toi le PC? Non? Pourquoi? T'as jamais ça, là. Pourquoi tu vas pas le prendre le PC? D'accord. Ouais, moi je peux prendre la T4K qui est là. Ou la celle qui est là. Mais ça fait trop. Regarde. Elle est trop grosse. Elle est trop grosse, la télé. Bon, moi je crois que j'ai fini ma soirée. Il est quelle heure là? Je vais voir quelle heure elle est. Putain, il est 6h du matin, demain il y a l'école, je crois. Ouais, tu sais à quelle heure elle se lève la propriétaire? Ah, tu la connais pas? Ouais, moi je me suis ramené avec mon masque, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Bon, toi tu t'en vas. Tu restes là? Bah non, on attend dans une demi-heure à se réveiller quand même. Il y a l'école bientôt. Je crois que j'entends du bruit en plus. Attends, je vais me cacher. Moi, je cave aux toilettes. Attends.
Voilà, c'est bon. Ah, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. On va aller avec son fils. Vas-y, viens, je pars, viens, je pars. Là, c'est chaud, là. Là, ça commence à craindre. Le sac est dans le couloir. Elle est partie se recoucher. Tu l'as vu, non? Je vais prendre ça au cas où. Allez, on emmène tout ça. D'abord, j'ai remis la PS5. La PS5, je l'ai ramenée. Et on se bat, d'accord? Ouais. Et tu casses rien. Tu casses rien. Je sais pas comment aller retrouver. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Et peut-être à bientôt dans une autre maison. Qui sait? J'espère qu'on va pas se faire choper en bas. J'espère qu'on nous a pas vus. Allez, bonne soirée. Moi, je marque ça. Ah, salut. Merci de m'avoir appelé. Alors, qu'est-ce qui t'amène? D'accord, ok, tu es nouveau dans ce cours. D'accord, ok. Je ne pense pas qu'on s'est déjà vu. Tout d'abord, tu vas te présenter et tu vas me dire qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, pourquoi tu m'as appelé en urgence. Alors, comment tu t'appelles, nom, prénom? D'accord. D'accord. Quel âge as-tu? 17 ans, d'accord. Tu fais quoi dans la vie? D'accord, très bien. Alors tout d'abord, pourquoi tu veux de mon aide? Qu'est-ce qu'il t'amène? D'accord, ok. Alors, est-ce que j'ai compris? Attendez, attends, je note. Alors, si j'ai bien compris, tu veux te lancer dans la ASMR. C'est bien ça. D'accord, mais tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas. D'accord, ok. Alors, tout d'abord, je vais t'apprendre les bases avant de commencer carrément la ASMR. Alors, est-ce que tu regardes régulièrement des vidéos sur Internet, YouTube ou n'importe quelle plateforme? Est-ce que tu regardes de l'ASMR? D'accord, ok. Tu regardes combien de temps par jour de l'ASMR? D'accord, ok. À tous les jours. D'accord. Et c'est un moyen de dormir, c'est ça? Tu es insomniaque, d'accord. Alors, comment t'as connu l'ASMR? Et tu m'as appelé pour venir en aide, pour te montrer comment, parce que moi, je suis professeur d'ASMR, et je vais te montrer les bases de l'ASMR, quel matériel il faut, après par la suite, hein, comment tu peux faire bien de l'ASMR. Ok, on va commencer. Alors le cours va durer à peu près 10 à 15 minutes. Ouais, il n'y a pas besoin de 3 heures pour connaître bien l'ASMR. Alors, déjà quand tu regardes des vidéos ASMR, quel est ton... Comment dire? Quel est ton trigger préféré? Ah, tu sais pas ce que ça veut dire trigger? C'est tout simplement les objets. Quel est l'objet le plus relaxant pour toi quand tu regardes des vidéos? D'accord, ok. D'accord. Toi, si je comprends bien, c'est le tapping. D'accord. D'accord. Est-ce que tu joues à la console? Est-ce que tu as des manettes là chez toi? D'accord. Ah, t'aimes bien aussi les bruits de manettes. Les bruits.
relaxer la communauté, à relaxer les gens sur Internet. Mais tu vas voir, c'est tout simple. Alors tout d'abord, quel est ton matériel pour enregistrer la voix? Moi par exemple, j'ai un Blue Yeti. Et toi, quel est ton matériel? D'accord. Tu as qu'un casque. As-tu un micro sur PC? C'est quoi ton micro sur PC? Un Bird UM1. Ah, c'est pas mal pour commencer. Déjà, t'as un bon point, c'est pas mal pour commencer. Là, c'est bien les Bird UM1. Alors, il est branché, là, il est opérationnel. Pour que j'entende dans mon casque. Ouais. Alors, t'as quoi comme manette? On va commencer par la manette. Comme tu aimes bien les bruits boutons, quelle manette que t'as chez toi? D'accord, ok. Alors, tout d'abord, j'ai oublié de te poser la question, t'as quoi comme caméra pour filmer? iPhone, d'accord, ouais, c'est pas mal. Alors, tout d'abord, pour commencer l'ASMR, il faut pas investir dès le début. Il faut, par exemple, tu peux très bien faire de l'ASMR avec un casque, comme moi j'ai un casque avec un micro, ça fonctionne correctement. Et la caméra, c'est pareil, un téléphone qui filme correctement, c'est bien aussi. Mais bon, faut pas prendre un téléphone de merde, quoi, pas un Wiko, ou un, je sais pas, un vieux téléphone à 30 euros. Tu prends, par exemple, ton iPhone, ça va filmer correctement. Moi, j'utilise le Redmi 8, 8 Note Pro, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et j'ai un peu dit, parce que moi, j'ai investi au fil du temps. Bon, puisque j'ai gagné de s'abonner, j'ai investi. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par la manette. Alors fais rentrer ta manette. D'accord, ok, très bien. Alors moi je te montre la mienne, manette PS5. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire des bruits. En plus t'as ton père du M1, ça tombe bien. On va faire des bruits de manette tout simplement. Et tu vas faire comme moi. Alors, on va faire en binaural, c'est mieux pour la communauté. Le binaural, tu sais ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est? Le binaural, c'est tout simplement un son qui sort de gauche à droite. Enfin, non, droite à gauche, ouais, gauche à droite. Et comme ça, on entend de droite à gauche ou de gauche à droite le son qui sort du micro, tout simplement. Et les logiciels de montage audio et de vidéo, on verra ça à la fin quand on aura fait le point. Alors on va commencer tout simplement par les bruits de manette. Tu vas faire comme moi. Alors, tout d'abord, on va y aller tranquillement, pas trop brusque. Tu fais tout simplement avec les cachettes pour l'instant. Et tu changes de côté de temps en temps. Et après, une fois que t'as pris le coup, tu peux appuyer sur tous les boutons.
essaye. J'écoute attentivement. Comme ça, après, je prendrai note. D'accord. Très bien. Ok. Bah, c'est parfait. La manette, tu sais la maîtriser. On va changer d'objet maintenant. Est-ce que tu sais ce que c'est du tapping? Oui, voilà, t'as tout compris. Le tapping, c'est tapoter sur un objet. Et moi, j'ai choisi tout simplement une boîte à lunettes. J'ai trouvé ça chez moi, je l'ai prise. Et toi, t'as quoi comme objet? Ouais, c'est pas mal. Une boîte comme ça, c'est pas mal. Alors, soit tu peux faire avec les ongles, ou soit avec les doigts, tout simplement. Tu préfères quoi? Quand tu regardes les vidéos, tu préfères avec les ongles, ou tu tapping avec tes doigts? D'accord, ok, tu préfères les deux. Ça te dérange pas les deux? D'accord. Alors, ce que je vais te montrer, tu vas refaire pareil après. Tu mets ta boîte comme ça, de préférence pour taper avec les deux mains. Et tu fais des petits mouvements sur la boîte. Et comme d'habitude, comme la manette, on change de côté. Thank you.
des objets qui peut être, excuse-moi, relaxant. Il y a par exemple tes mains. Tes mains peuvent être relaxantes. Par exemple, tu peux faire des bruits de main, tapoter sur tes mains, oui, ça a l'air bête, mais on peut relaxer avec les mains. Souvent ça. Vas-y, je te regarde pour voir comment tu te débrouilles. Ok. D'accord. Ok. C'est parfait. Et un dernier bruit. Avant que je te laisse pour relaxer un maximum de gens, c'est les bruits de bouche. Il y en a qui aiment beaucoup les bruits de bouche. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est le mukbang? Ouais, c'est la dégustation. Mais là, j'ai rien à déguster du coup. On va faire des bruits de bouche, mais sans manger. Alors, par exemple, tu peux mettre tes mains comme ça sur le micro et faire. Tout simplement. Ah oui, tu peux les relaxer en faisant des bruits de bouche. Vas-y, je te regarde. Ok. D'accord, c'est parfait. Nous avons fini le cours. Sur ta performance, c'est super bien. Tu te débrouilles parfaitement bien. Alors, quel est ton logiciel de montage audio? Audacity, tu sais t'en servir? Bah là, je vais pas t'expliquer comment on fait en bio, en visio. Il y a des tutos pour ça, et je te laisse regarder par toi-même avant de te lancer sur YouTube. Et quel est ton montage vidéo? D'accord, ouais, c'est bien, salut Vegas, c'est très bien. Alors, ce que je peux dire avant de quitter le visio, avant de raccrocher, c'est tout simplement pas besoin d'investir dans du gros matériel dès le début. T'as pas de chaîne YouTube encore, pas besoin. Attends d'avoir, on peut dire, 500, 600 abonnés. Là, tu pourras acheter petit à petit. Regarde, moi j'ai acheté mon plus Yeti, j'avais plus de 1000 abonnés. Maintenant, j'en suis à 3240. Et j'ai acheté mon Blue Yeti après les 1000 abonnés. Après mon micro, mon premier micro de l'ASMR, c'était un Tascam DR05. Après, tu peux regarder sur internet, micro fait pour l'ASMR. Ils vont te sortir plein de micros. Il y a des Tascam, des Zoom, des Blue Yeti, les Peurs du M1, c'est très bien. Après, t'en as mis, faut mettre le prix. Après, chacun son budget. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce cours et qu'est-ce que t'en as retenu? D'accord, tu penses ouvrir une chaîne YouTube? Ah oui, t'es complètement capable. Là, t'as un Peur du M1, un assez bon appareil photo. Tu peux carrément ouvrir ta chaîne et faire de l'ASMR, y a pas de problème. Déjà, tu marques un point parce que t'as un micro déjà. Et t'as une bonne caméra. C'est très bien. Mais pour l'instant, contente-toi de ce que t'as, achète pas trop, et puis voilà. Et je te souhaite que du bonheur pour la suite. D'accord, ok. Bah, si t'as un souci, appelle-moi, je suis disponible tout le temps dans la soirée, dans la journée, dans la matinée. Je suis disponible tout le temps. Et en espérant que je t'aurai aidé. Et je te dis à la prochaine. Et si t'as un problème, encore une fois, appelle-moi. En
Vous allez me dire de quelle oreille sans le son. Concentrez-vous. D'accord, très bien. Continuez.
allons passer à un autre test. Allez-y, concentrez-vous et vous allez me dire de quelle oreille sort le son. Droite, vous êtes sûr? Ok, pas de problème. Et maintenant, de quelle oreille sort le son? Ok, parfait. Alors, ce n'est pas fini, il reste deux tests à faire. En même temps, ça peut peut-être vous relaxer les sons que je sors dans les écouteurs. Vous connaissez le binaural? Ah, vous en avez jamais entendu parler? C'est excellent. Binaural, c'est gauche à droite, de gauche à droite. Sans le son. Est-ce que vous êtes sûr? Réécoutez. Excellent. D'accord, très bien. Et maintenant, analyser la chose. Alors allez-y, essayez de vous concentrer un maximum. Nous allons faire un dernier test. Et après nous allons analyser la chose. J'aime pas de le faire, cette oreille. Écoutez. Et maintenant. Et là. Et maintenant. Alors allez-y, enlevez les écouteurs. Je vais passer un peu de coton-tige dans vos oreilles pour les rendre un peu plus propres. Allez, c'est parti. Alors venez, hop. Alors on va nettoyer un peu l'oreille. L'oreille gauche, l'oreille gauche, l'oreille gauche.
est-ce que tout d'abord vous vous nettoyez régulièrement les oreilles? D'accord. Avec un coton-tige. D'accord, ok. C'est pas la bonne solution. Je vais la scanner à ma collègue qui est à l'accueil et elle va vous la donner. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et par contre, la poire, vous allez vous en servir. Non. Vous mettez le bout dans votre oreille et vous tirez avec la languette et ça va déboucher totalement vos oreilles. Et vous allez voir, après une semaine à peu près, vous allez largement mieux entendre parce que je pense que c'est l'oreille gauche qui ne va pas. L'oreille gauche, elle est vraiment bouchée. Et est-ce que vous mettez souvent des casques sur votre tête? À tous les jours, pour jouer à la console. D'accord. Mais le casque est déconseillé normalement. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie. Mais essayez de jouer sans casque. Le temps de déboucher les deux oreilles totalement. Alors je scanne l'ordonnance à ma collègue et elle va vous la donner. Voilà. Comment? Vous voulez avoir le prix de la poire? Ça doit être dans les 15 euros à peu près. Ouais, c'est pas remboursé ce genre d'accessoire. Mais ça doit être 15 euros, ça va, c'est pas trop cher, c'est pas la mort non plus. Ah d'accord. Ah, c'était juste une question. Ah, autant pour moi. Je pensais que vous voulez faire le radin. Non, c'est bon, excusez-moi. Alors, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et si vous avez des problèmes avec la poire, n'hésitez pas à me contacter. Mais bon, faut pas avoir un QI 243 pour pouvoir servir de la poire. Non, excusez-moi. Non, désolé, j'ai du sale humour cet après-midi. Bonne journée.
bien, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bienvenue dans mon magasin indépendant Chris Studio 2000. Que puis-je faire pour vous? D'accord, vous recherchez un micro sans indiscrétion. Un micro pour quoi faire? Pour faire des vidéos sur YouTube, pour parler en vocal avec vos amis sur la console. Pour quelle utilité voulez-vous un micro? D'accord, très bien. Pour parler en vocal sur la PS4. D'accord, très bien. Un instant, je vais regarder s'il me reste en stock. Alors, un micro vocal pour la PS4, c'est ça? Ouais. Alors, on va descendre un peu. D'accord, il me reste un. Vous avez de la chance. Alors, je peux vous proposer un micro d'excellente qualité pour parler avec vos amis sur PS4. Je peux vous proposer alors le Fifine, celui-là. Bien sûr, il y a la petite bonnet qui va avec. Et ce micro, il est d'une excellente qualité. Bien sûr, il y a la boîte qui va avec. Il est neuf. Enfin, la boîte, elle est ouverte. Elle est ouverte parce que si vous voulez, comme j'explique à mes clients souvent, j'ouvre les boîtes pour les tester. Voir s'ils fonctionnent correctement. Et avec le micro, c'est le Fifine à 30, si je me trompe pas. Déjà, ça vient de Zalkar GmbH. Et c'est le Fifine. Si je me trompe pas. Et allô la notice. C'est le Fifine K678. Vous avez déjà entendu parler de ce micro? Pas du tout. Il est d'une excellente qualité. Avec. Il y a son petit trépied. Pour le poser par exemple sur un bureau. Ou sur une table. Mais avec ce micro, vous allez épater vos amis qui est dans le vocal avec vous. Comment? Oui, il fonctionne parfaitement bien. Avant que vous arriviez, je l'ai testé justement. Il fonctionne parfaitement bien. Après, il y aura la facture. Il y aura la garantie. Il est garanti 2 ans. Voilà, Fifine. Et ça fonctionne sur PS4, Xbox One, PC. Ah oui, c'est vrai. Je vais tout dire le prix. Il vaut 35€. Est-ce que vous êtes intéressé par ce micro? D'une excellente qualité. Quand vous parlez devant ce micro, il capte votre voix partout autour du micro. Par contre, il n'y a pas de binaural dans ce micro. On peut pas parler derrière, mais sur les côtés. Par exemple, quand on fait comme ça, on vous entend. Comme ça, on vous entend. Vous êtes intéressé, 35€. Et avec ça, il y a la petite bonnette qui va avec. Je la donne, je l'offre. Ouais, il me reste que celui-là. Uniquement pour PS4, Xbox One et PC. Vous êtes intéressé? D'accord, pas de problème. Bah, tenez. Ça fait 35€. Merci. Vous avez une carte de fidélité. Vous la voulez? Ah, vous n'êtes pas d'ici. D'accord, pas de problème. Alors, je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît. Très bien. Bah, allez-y, repartez avec. N'oubliez pas la bonnette. Et je vous souhaite une excellente journée.
bientôt dans notre magasin. Si vous passez par ici, n'hésitez pas à venir nous revoir. À bientôt. Bien le bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ah, vous êtes déjà venu à Zivocable tout à l'heure. Ah d'accord, vous avez repéré un micro sur notre site internet. D'accord, c'était lequel déjà? D'accord, très bien. Ah bah le voilà. C'est pour faire des vidéos sur YouTube, c'est ça? Ouais. C'est pour... à des interviews. Alors c'est celui-là, le Zoom H1N. Bien sûr, il y a la bonne qui va avec. Alors le H1N, c'est un microphone comme ceci. Voilà, pour faire des interviews, c'est l'idéal. Et en plus, il se trimballe partout. Ah, vous voulez que je vous explique les fonctionnalités? D'accord, pas de problème. Alors le H1N... le zoom. Alors ici il y a le petit bouton pour régler la voix. Là c'est les paramètres, pas besoin d'y toucher, c'est déjà pré-réglé. Là il y a pause et lecture. Là il y a stop, enfin arrêt. Là c'est pour changer les pistes audio. Cette petite roulette, c'est pour augmenter le gain. Plus vous augmentez, plus le gain sera fort. Sur le côté, il y a une prise de jack pour brancher un casque pour entendre sa voix. Là, il y a le volume pour entendre dans le casque. Ici, vous pouvez brancher un micro. Ça marche uniquement avec une carte SD, bien sûr, elle est fournie avec. Là, il y a pour bloquer le micro pour qu'il se stoppe, et ça se branche avec un câble. Un câble, c'est pas USB, c'est micro USB. Ah oui, c'est de la très 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 bonne qualité. On peut parler en binaural de droite à gauche. Par exemple, si vous parlez comme ça, on entend à droite. Si vous parlez comme ça, on entend à gauche. Et au milieu, bon, on entend partout dans le casque. Par contre, il est fortement conseillé avec ce genre de microphone d'utiliser une bonnette pour plus de qualité sonore. Bien sûr, il est fourni avec. C'est celui-là que vous avez repéré sur internet. Oui, je le fais 20€. Il est pas trop cher en ce moment. 20€ pour un microphone, c'est le top. En plus, il y a une excellente qualité, vous allez voir, vous allez le tester chez vous ou pendant les interviews. Et ça va être un régal. Vous êtes intéressé? Ah, par contre, j'ai oublié de vous préciser qu'il fonctionne à pile. Ah, vous le savez. Pas tant, ça va, là. 20€. Ouais. Ok, tenez. 20€. Merci. Alors, est-ce que vous avez une carte de fidélité? Vous la voulez? D'accord. Alors, puis-je avoir votre nom, prénom, date de naissance, adresse mail? S'il vous plaît, nom, prénom. D'accord. Date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Adresse mail. D'accord. Un numéro de téléphone, s'il vous plaît. 06 85 95 65 14. D'accord. Bah, tout enregistrer la carte de fidélité va, vous allez la recevoir chez vous. Je vous ai trouvé sur ordinateur. C'est pas la première fois que vous venez. Non. Ah bah oui, je vous reconnais. Oui, il me semble que vous êtes passé la semaine dernière. Ah, j'ai une bonne mémoire. Alors, vous allez recevoir la carte de fidélité chez vous. Et au bout de 50€ d'achat, vous allez recevoir un bon d'achat de 5€ à utiliser sur notre site internet ou dans notre magasin.
va fermer bientôt là. Encore 5 minutes. Ah bonjour, vous êtes notre dernier client. Bienvenue dans mon magasin indépendant Chris Studio 2000. Que puis-je faire pour vous? D'accord. Vous avez repéré un micro. Alors, pour quelle utilité souhaitez-vous un micro? Parce que je demande ça à tous les clients pour par curiosité, quoi. D'accord. D'accord, pour parler à vos amis sur Steam. D'accord, sur PC. Alors, pour parler avec vos amis, je vous conseille ce magnifique micro. Bien sûr, il y a la boîte, il est neuf. Alors ça, c'est le Vivine Technologie. Le Vivine K669. Le Vivine K669. C'est une excellente qualité. Moi, pour ma part, je fais des vidéos sur YouTube et j'utilise souvent ce micro pour faire mes gameplays. Et je peux vous dire que ce micro a une excellente qualité. Bien sûr, il a la notice. Pourquoi il est ouvert? Tout simplement, c'est parce que j'ouvre les boîtes pour le tester, pour voir si tout fonctionne correctement. Et je l'ai testé avant votre arrivée. Et il fonctionne nickel. Alors avec, il n'y a pas grand-chose, avec un petit trépied comme ceci pour le brancher, hop, et vous le mettez sur le bureau. Là, il y a le petit écrou pour le mettre sur une perche. Bien sûr, on ne vend pas de perche. Je suis navré. Là, c'est pour descendre, pour pivoter le micro. Et si vous avez le bouton volume, pour ajuster le volume de votre voix, plus c'est fort, plus vos amis, ils vont vous entendre fort. Et plus c'est baissé, ils n'entendent plus rien. Tout simplement. Et c'est un excellent micro. Par contre, il n'y a pas de binaural dessus, mais la voix, elle capte sur les deux côtés. Par contre, derrière, c'est un peu de mal, mais sur les côtés, ça fonctionne nickel. De toute façon, vous parlez pas derrière, vous parlez devant. Voilà, dans ce micro. Le Vivine K669P. Ah oui, ça marche avec Windows 10. Et également avec Audacity, avec tous les logiciels d'audio. Voilà. Je le fais pour 30 euros. Vous êtes intéressé? Ouais. Ah, vous avez un montage à 5 euros. Ah, bah oui. Vous avez préféré venir nous voir pour l'utiliser. Ah, pas tenez. Merci. Alors 5 euros, ça fait pas 25 euros du coup. Vous le prenez. Attendez. Alors, j'enregistre le bon d'achat de 5 euros. Vous avez déjà fait un bon de. Vous avez déjà fait un achat de 50 euros. Ah, bah oui, si vous l'avez reçu dans votre boîte aux lettres. Bah oui. Alors, 25 euros, s'il vous plaît. Merci. Puis avoir votre carte de fidélité. Merci. Alors, d'accord. Tenez, je vous rends la carte de fidélité. Voilà. Bah, passez une bonne journée. Et à bientôt dans notre magasin. Et revenez nous voir quand vous voulez. Si vous avez un problème, de toute façon, le micro, il est garanti 2 ans. Voilà.
Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bon, c'est bon, j'ai fermé la caisse, il est 20h. Ouais, j'ai fermé. PS4 et une manette Xbox. D'accord. Alors,
Maintenant, je vais regarder sur l'état général. Et en plus, c'est la manette Xbox Series X. Vous souhaitez revendre l'accessoire aussi avec? D'accord, ok. Ticket caisse.
Et The Last of Us partie 2. Vous avez pas aimé ça? Ah, vous les finissez une fois les jeux et après vous les revendez? D'accord, je comprends. Moi, en tout cas, je posais le L de chez moi. Je le vends pas. Alors. The Last of Us. Soirée, on peut fermer.
Ok, celui-là, il va aller dans un rayon. Ok, ça c'est quoi comme disque? D'accord, ok. Ah, bien bonjour. Vous êtes mon premier client. Bienvenue dans notre magasin Snack. Dites-moi tout, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord, ok, très bien. Quel style musical souhaitez-vous vous procurer? D'accord, ok. Vous êtes plus... Ah d'accord, vous cherchez un coffret ou un CD. D'accord, ok, pour les fêtes de fin d'année. D'accord, ok. Vous prenez à l'avance, mais c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous proposer pour vous mettre en ambiance? Je peux vous proposer des classiques. Je peux vous proposer le coffret idéal années 80 qui comporte 5 CD à l'intérieur, les plus grands classiques des années 80. Il y a celui-là et je possède un autre mini coffret un peu plus vieux des années 60. C'est Salut les copains qui possède 5 CD, il y a 100 titres en tout. Salut les copains. Après, ben, qu'est-ce que je peux vous proposer? Ben, c'est tout. C'est tout pour le moment. J'ai salué les copains et le coffret idéal des années 80. Comment? Ah, vous voulez savoir le prix des années 80? David, à combien il est le coffret idéal des années 80, celui-là? Celui-là, il est à combien? Super vite.
ça fait déluscaler dans notre rayon et par pas. Faudrait peut-être le mettre à moins 50%. Ouais, il a combien de passes? Ah, il a 20 €. D'accord, ok, bon, c'est pour 10 €. C'est bon. Ok, bah tiens, va mettre les moins 50% et tu me le ramènes. Merci.
fait une moins 50%.
J'avais besoin de lunettes au cas où que je tire de loin. Attends, faut que je la remette maintenant. Attends, j'arrive plus à la remettre. Ouais, c'est la première fois que je joue. Enfin, que je fais une partie comme ça sur Warzone. Voilà, c'est mis. Alors, ça, mon pote. Avec ça, tu vis comme ça. Dans la lunette. Tu vises la tête, ça fait au moins 350, obligé. Ah, et t'as pas vu le meilleur? Enfin, tu dois t'en souvenir. Sur Fortnite, regarde ce que j'ai ramassé. Encore mieux que le pistolet à lunettes. Avec ça, tu te rappelles quand j'avais coupé les jambes d'un mec sur Fortnite? Est-ce que tu te rappelles? Ça m'a bien servi. Bon, la deuxième game, on m'a piqué. Mais j'ai réussi à trouver cette arme dans Warzone. Ils sont contents, c'est la même, regarde, c'est la même. C'est la même arme. Ouais, comme je l'ai dit, j'ai trouvé un kit de soins super rare. Avec des bandages tout à l'intérieur. Attends, viens, reste planqué parce que tu vois les mecs là-bas. Là, il y a deux mecs là-bas, il y a deux grands-bas qui sont en train de courir. Ils sont en train de courser un sanglier. Ah bah attends, ils se sont arrêtés. Attends 2 secondes. 2 secondes que je leur mets une tête. Tiens, vise avec moi, comme ça tu pourras faire un headshot à son pote en même temps. Tu l'as eu? Ah, il est à terre, finis-le. Tiens, tiens, pas bon combat. Je te prête mon arme quand même. Et finis-le, coupe-lui la tête. Je t'attends là 2 secondes. Vas-y, viens, 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 viens. Viens, viens, vite, vite, il y a l'hélico là, il y a l'hélico. T'es fou, tu veux te faire cramer ou quoi? Merci de m'avoir rendu mon arme. Celle-là, logiquement, je la prête pas. Je la prête à personne. Allez, super collecteur dans le jeu. Et jamais de cette arme, je vais m'en séparer. Attends, il y a un mec. Attends, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Tu l'as vu? Il m'a mis une balle. Il m'a mis une balle. J'arrive plus à bouger mon bras. Prends mon kit de soins. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ah, je peux pas bouger, excuse. Tiens, vas-y, soigne-moi. Prends la pince et enlève-moi la balle. Il m'a tiré une balle dans l'épaule. Heureusement que j'avais un peu de chute. Heureusement parce que j'aurais été mort. Parce que t'aurais fini la game tout seul. Tiens, vas-y, je serre les dents. Ah, c'est bon. C'est bon, tu l'as eu la balle. Vas-y, jette là, on a plus besoin. Enfin, on va pas s'en servir. Vas-y, mets-moi un peu de bandage de l'alcool. Ta seringue, tout ce que tu veux, vas-y, mais je veux s'ouvrir, je veux s'ouvrir, vas-y. C'est bon, je sens plus rien. On va s'en occuper après. Il était comment? Je l'ai pas vu. Tu l'as vu toi? Ah, tu l'as tué. Ah, GG, t'as pris le sniper. Ah, GG. Putain. Quel enfoiré. Je te jure, la prochaine fois que je vois un mec comme ça, je le dégomme avec mon pistolet à lunettes. Ah, c'est con, j'ai trouvé que cette arme-là. J'aurais bien voulu avoir un sniper parce que dans Warzone c'est primordial d'avoir un sniper, je te jure. La map est tellement grande, les mecs ils peuvent camper dans les maisons, dans les collines, dans les montagnes et tout. Derrière des rochers, mais avec ça tu peux pas viser bien loin avec ça. Tu peux viser aller 60-70 mètres, mais un mec à 150 mètres tu pourras pas toucher. Mais après quel est collector?
Ah, il m'a bien eu, il m'a bien eu. T'as vu la goutte de sang qui est partie? Laisse tomber. Ah, attention, il y a un mec là-bas, il est de dos. Je crois qu'il a pas de ping. Je vais lui jeter mon cadavre dans la tête. Attention. 1, 2, 3. C'est plus physique que Battle Royale de Fortnite. Laisse tomber. On est combien de joueurs encore là? 5, d'accord. On attendait encore en attendant parce que le mec il m'a mis une balle et j'arrive pas à m'y remettre. Ah bah oui, j'ai mal, laisse tomber. Il m'a mis une balle là, là, ici, juste là. Regarde. J'espère qu'on m'a trouvé en top 2. J'espère. Comme ça, je vais me mettre un idiot. Il va pas comprendre sa vie. Tiens, pour l'instant, essaye de guetter autour. Essaye de guetter. Je vais ouvrir. Tu l'as enlevé avec ça la balle. Impeccable. Impeccable. Attends, il y a quoi dedans? Y'a un mec, vite, moi je quitte ce soir. J'ai 50 de PV, ça va. Et un peu de bouclier. C'est bon. On est quand de combien? 2 contre 1. Nous deux contre un mec, pas de problème. On va le fumer. Allez, en voiture. Allez, passe par là. Oh, un petit narc.
Il s'enfuit. Il s'enfuit. On le couche, on s'enfuit. Surtout mon âme secrète. T'es prêt? On le court après. Il est où? Il est où ce petit cochon là? Il est là, derrière le bâtiment. Oui, doucement. Accroupis-toi. C'est bon. Il lui reste 5 de PV. On l'a vu top 1. Putain. C'était une partie assez intense. Laisse tomber. J'ai failli crever plusieurs fois. Par contre, si tu m'as la main, enfin, me remettre de la balle qu'il m'a mis. Est-ce que t'étais ravi? Est-ce que t'étais ravi avec moi? Oh, mais ça la prochaine fois. Ouais. D'accord, ok, tu peux me dire par commentaire si tu veux remettre ça la prochaine fois. Et je serais ravi de réinviter avec moi pour faire un autre top 1. Ok, on fait comme ça. Pas de problème. Bah voilà, bien joué à toi, on a fait le top 1. Première game top 1. Enfin, moi j'ai fait combien de kills? T'as fait combien de kills toi? Ouais. 8, d'accord, moi j'en ai fait 2. Moi je commence tout juste à Warzone. Ah, t'es un pro de Warzone. Ah ok, tu joues tout le temps. Ah, moi je joue jamais. Bon bah sur ce, à la prochaine. Et je retourne dans le lobby. Ouais, je vais me coucher là parce qu'il est tard. Allez, à la prochaine. Salut. David, passe-moi le 45 tours qui est juste là. Merci. Faudrait le penser à le ranger un de ces quatre. Il traînait dans l'étagère. Ah, bien le bonjour. Et bienvenue chez le disquaire 2000. Dans notre magasin, nous possédons un grand stock de disques 45 tours, 33 tours et même un petit collector limité. Je vous laisse regarder parmi notre large de choix. Et venez me voir si vous avez un souci. Avouez que c'est moi qui vous renseigne. D'accord. Quel est votre... Déjà, quel est votre style musical? D'accord, très bien. Vous êtes plus années. Ok. 45 ou 33 tours. 33 tours. Vous êtes plus dans les années 70. Ok. Alors, je regarde ce que j'ai. Hop. Années 70. Années 70, j'ai celui-là. Billy, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu ces chansons, tout ça? Ah, c'est super, moi j'adore ce disque, il est magnifique. Ah, vous connaissez pas? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a comme musique dedans? Alors la phase 1, il y a tous les samedis soirs, bye bye, Billy méga, autant les surprises parties, je me sens loin de vous. Et la phase 2, il y a les papas du rock, Miss Little, le toy, le rockabilly, il y a ma bloopy, la leçon de danse, et quand je serai grand, je serai vieux. Un magnifique. Je vais vous mettre de côté celui-là.
Ah oui, il est pas mal, il est vraiment pas mal. C'est attendez, hop, c'est diffusé par Polydor, vous connaissez? Ah super.
Bonne soirée.